prière est enregistrée dans l'esprit du Seigneur. Même la prière n'a pas de date d'invalidité. Elle peut prendre 5 ans, elle peut prendre 10 ans, elle peut prendre 15 ans, elle peut prendre 20 ans. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, tôt ou tard, cette prière va s'accomplir. Quand il y a des prières que tu as fait très longtemps. Chaque année, tu répètes la même prière. Chaque jour, tu répètes la même prière. Chaque temps, tu fais la même prière. Mais sache que Dieu, dans son esprit, il s'est regardé dans l'histoire d'Ama. Il a dit, je vais me souvenir, il y a un homme. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'oublie jamais. Dieu ne priera jamais ce jour-là où tu es parti en retraite. Dieu ne priera jamais ce jour-là où tu as pleuré dans ta chambre. Dieu ne priera jamais ce jour-là où tu es venu à l'église avec ton offrande. Tu as dit, Dieu, si tu me fais cela, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu ne priera jamais ce jour-là où le vendredi, tu as laissé tes enfants, tu as quitté le travail sous la pluie et tu es venu prier, chemin. Dieu ne priera jamais ce jour-là où tu as prié pour Samuel. Dieu ne priera jamais ce jour-là où tu as prié pour que le voyage puisse être. Il existe même les prières qu'on a oubliées. Oh, hey, yes. Les prières quand l'accomplissement arrive, tu dis. Hey. Je ne savais pas que tu allais faire les choses de telle manière. Monte à Bethel. Quelqu'un sait. 20 ans plus tard, Jacob n'est plus à Bethel. Mais Bethel, c'était le lieu où Dieu l'avait visité. Non, mais... Bethel, c'était le lieu où il avait fait sa prière. Bethel, c'était le lieu où il avait posé la pierre. Bethel, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Il dit maintenant, 20 ans plus tard, que dois-tu faire? Retourne à Bethel. Et c'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Retourne à Bethel. Dieu t'a tellement béni, Dieu t'a tellement visité. Dieu a exaucé tes prières. Dieu a permis que tu puisses avoir le visa que tu cherchais. Dieu a permis que tu puisses avoir l'onction que tu cherchais. Dieu a permis que tu puisses avoir tout ce que tu cherchais. Maintenant, ce matin, il vient te dire, retourne à Bethel.